what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You said my Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme pour du cellier ouvert parce que je suis déjà en train de préparer le repas. En fait, il faut qu'on soit parti pour midi et demi. On va aller chercher Greg pour aller directement. C'est le grand jour pour Stacy aujourd'hui. Au coiffeur. Et ensuite, j'ai rendez-vous pour Kim à 15h. Donc en fait, Greg va nous venir avec nous. Comme ça, au cas où, il reste avec Stacy. Enfin, il y a toujours quelqu'un. Puis moi, je peux repartir, aller au rendez-vous avec Kim. Donc tout le monde va venir avec Kim, avec Stacy au coiffeur. Le coiffeur est à côté des parents de Greg. Donc du coup, bah, le temps que Kim... que moi je suis au coiffeur avec Stacy, Greg et Kim vont aller chez la maman à Greg, et puis dès que, si mettons voilà, c'est pas fini, j'appelle Greg, il vient me remplacer et puis moi je m'en vais avec Kim. Voilà, c'est juste pour faciliter parce que Stacy a rendez-vous à 13h30 et nous on a rendez-vous à 15h. Donc si ça dure pas plus d'une heure pour Stacy, que le coiffeur n'y a pas de retard, ça devrait aller. Mais si ça dure un peu plus, ça risque d'être compliqué. Alors ce midi, j'ai changé les intervertis les repas, parce que logiquement c'était du gigot d'agneau. Je vous ai même pas dit quel jour on était aujourd'hui. Je vais reprendre à zéro. Je rétropédale. On est mercredi aujourd'hui. Mercredi 8, c'est ça? Oui, tu penses? Mercredi 7? Ah, oui. Mercredi 7, et il est 10h15. Ça va commencer, hein, les jours où je ne sais plus quel jour on est et tout, avec les vacances et tout. Voilà, je suis complètement décalée. Oui, donc je vous disais, j'ai changé les repas parce que ce midi, logiquement, c'était tranche de gigot avec des flageolets et des pommes de terre sautées. Greg, du coup, comme on va chercher à 13h, ne va pas manger ce midi. On va lui prendre un sandwich et il adore le gigot d'agneau. Donc, j'ai pas envie de lui faire louper ça. Donc, du coup, je vais changer. Je pense qu'il préférera louper le cordon bleu plutôt que le gigot. Donc du coup, si on va faire le repas qui était prévu ce midi et ce soir, c'est cordon bleu, pommes de terre sautées, pommes de terre tapées avec une poêlée de légumes. Donc je vais plutôt faire ça pour ce midi. Donc pommes de terre qui sont prêtes, je vais les lancer à la vapeur. Je suis en train de tout enlever le calcaire de la fontaine à Luna. Celle que Marley buvait dedans et qu'on n'arrivait pas à l'empêcher. Par contre, j'ai l'impression qu'il ne boit pas dans sa nouvelle fontaine. Alors j'espère qu'il va s'y faire, parce que du coup on lui a enlevé tout point d'eau justement pour le forcer à aller boire dedans, mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Je vais vérifier, je vais pour être sûr qu'il boit, parce que c'est pas bon non plus qu'il se passe de boire. Donc je vais surveiller. Et là je suis en train du coup de tout enlever, parce que le tartre dans les fontaines, c'est une horreur à chaque fois, faut tout détartrer. Alors pour détartrer, je fais avec de l'eau chaude et de l'acide citrique, ça fonctionne super, super bien. Allez, je vais lancer mes patates. Sinon aujourd'hui, plein de petits trucs à faire. Et il faut que tout soit bouclé avant 12h30. Enfin, il faut qu'on a mangé pour 12h-10. On va manger. Comme ça, 12h30, tout est bouclé. On va chercher Greg. Donc on va carburer ce matin. Il me reste plus beaucoup de temps. Alors, je suis en train de faire la popote de Marley pour la semaine. Comme ça, ça aura le temps de refroidir. Et tout à l'heure en rentrant, j'aurai plus qu'à faire les sacs pour mettre au congélateur. Cette fois-ci, on a fait les pâtes. Et en fait, quand, logiquement, j'avais acheté des mélanges avec courgettes, enfin voilà, des trucs. Maintenant, ce que je fais, c'est que j'achète des sachets surgelés de mélange de légumes. Comme ça, bah, il y a un petit peu de tout et ils aiment bien. Donc, j'avais acheté ça. Et en fait, quand, je me suis trompée. J'ai utilisé notre mélange qu'on devait manger ce midi. Mélange de légumes méridional. Donc, du coup, bah, il va y avoir des salsifis, de l'aubergine, des haricots verts. Mais bon. Et nous du coup on va manger de la ratatouille. Parce que c'est ce que j'avais pris pour Marley. Et on a pris des pâtes pour changer du riz, parce que on lui donne tout le temps du riz, mais à la force il se lasse en fait et il mange moins. Ça y est, je viens de le surprendre en train de boire dans sa fontaine. Donc je suis soulagée, il va boire. Donc l'autre elle est nettoyée et je l'ai mis pour Luna du coup. Parce que Luna, c'est, enfin, comme beaucoup de chats, hein, je pense, c'est des miscacacs. Ils aiment que ça soit propre et qu'ils ont leur petite odeur et tout. Et quand Marley buvait dedans, bah, elle ne voulait plus aller boire dedans. On était obligé de le remettre, comme au tout début qu'on l'avait eu, une gamelle d'eau.
à côté. Donc, et en fait, dès que son eau elle est plus à son goût, et ben elle boude et elle miaule jusqu'à ce qu'on lui redonne à boire. Donc du coup voilà, comme ça elle aura retrouvé sa petite fontaine et Marley a la sienne qui est beaucoup plus grande, ce sera beaucoup plus pratique. Hop, de ces plâtrés là pour Marley. Alors en plus les pattes elles vont encore gonfler hein. Et puis ben, nous du coup ben, ça sera ratatouille avec des cordons bleus et des pommes de terre tapis qui sont pratiquement cuites. Voilà le doudou bruit de comme quoi que c'est fini, je vais pouvoir les taper. Je vous montre, mais c'est une recette que, enfin, je vais faire très très simple. En fait, je vais les taper, les arroser avec un filet d'huile d'olive. J'ai peut-être encore du beurre d'ail dans le congélateur, donc je vais peut-être en mettre un petit peu dessus et ils vont repasser au four. Voilà. En fait, ça rend les pommes de terre tout autour croustillantes et moelleuses à l'intérieur et en fait, elles s'imbibent de la petite sauce que vous mettez au-dessus. Donc, il y a des moments, ben, je mets des quartiers de citron. Je vous en ai déjà partagé deux, je pense. Il y a des moments, je mets aussi au parmesan. Enfin, voilà, il y a des recettes sur le blog si vous souhaitez aller faire. Les pommes de terre sont faites, donc je vous montre. En fait, c'est juste des pommes de terre qu'on a cuites à la vapeur. On vient les écraser. Là, j'ai mis un petit morceau de beurre d'ail dessus, un filet d'huile d'olive, du sel et du poivre. C'est tout. Enfin, j'ai avec les mains Kim, en fait. Voilà. J'ai fait, mais c'est avec ses mains. La ratatouille est faite. Je vais bien la laisser mijoter parce que moi, la ratatouille, j'aime bien quand elle est bien, bien compotée. Et puis, on va faire cuire les... Tiens, tu peux appuyer sur ma montre pour que 11h33. Donc on va pouvoir faire cuire les cordons bleus. Tu peux t'en occuper autant que je commence à monter le vlog? Oui. Ouais. Merci ma chérie. Après tout, tu manges aussi. Hein. Mmh. Allez, moi je vais commencer à monter le vlog. Puis après, ben, d'ici une demi-heure, même pas, on va pouvoir manger. Oui chérie. Où est-ce qu'il est le poids? Le quoi? Oui, le gros poids. Dans le... Oui, dans mon truc à épices. On va manger. Il est midi. On va se dépêcher. Alors, les cordons bleus, c'est des cordons bleus que j'avais achetés à la boucherie. Enfin, la boucherie. À Intermarché en Belgique, en fait, il y a une... ils font leur viande, en fait. Bon, un peu comme partout, je pense. Hein. Comme les, partout les Intermarchés. Mais là, je veux dire, c'est des vrais cordons bleus. Ça fait de la... La vraie viande, quoi, en fait, c'est du porc. C'est des fines escalopes de porc avec du fromage et du jambon et c'est pané. Et hop, on a les pommes de terre tapées. Hop là, c'est chaud. Je vais aller mettre ça sur la table. Puis après, on va faire un petit brin de ménage. Puis on va y aller. On est rentré du coiffeur. Je suis juste rentrée faire un petit pipi. Et puis ensuite, on y va. On va en rendez-vous pour Kim. On va vous faire un petit avant-après pour Stacy. Je l'ai filmé juste avant de rentrer dans le coiffeur. Donc, je vous mets le petit avant là maintenant. T'es sûr, 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 sûr. Hein? Je vous montre le après. T'es prêt, Thierry? Attends, je tourne. Et en fait, ils ont dit qu'elle avait un super cheveu et qu'il allait se placer tout seul et que voilà. Donc, elle a seulement, elle a juste un petit épi ici. Mais comme elle a dit la prochaine fois qu'elle lui demandera, qu'elle viendra au coiffeur, là, elle a fait en sorte que si, mettons, elle voulait que ses cheveux repoussent. Ils vont repousser, elle a pas besoin, enfin elle sera pas embêtée avec quoi en fait. Mais si mettons la prochaine fois elle veut encore une coupe courte, on fera plus court ici, donc on rasera peut-être un petit peu plus derrière si cela lui plaît. Voilà. Mais bon, elle est contente. Ah, ça coupe. Maintenant voilà, à voir si parce que là elle lui a fait quand même un tout petit brushing, à voir si ça tient ou pas. Ce que ça donne après la première, souvent quand on sort du coiffeur. Bon après comme elle lui a dit, tu vas savoir. T'apprivoiser, enfin l'apprivoiser et puis te coiffer à ta sauce quoi en fait. Et bon, elle était contente. Bon allez, faire pipi, puis on va au rendez-vous pour. Mais on est entrée. Oulala, je ressemble plus à grand chose. Ça y est, le dossier est fait pour Kim. On a eu le rendez-vous. En fait, on a fait un dossier entre guillemets d'urgence pour que, en expliquant la situation et tout. Donc du coup, ils vont peut-être essayer d'accélérer un petit peu les choses. Et puis donc voilà, ça c'est fait. Il n'y a plus qu'à attendre. Mais c'est comme elle nous a expliqué, c'est un coup de chance, on va dire. C'est un coup de poker. Soit elle a la chance et puis ça peut aller très vite, ou soit ça peut être très très long en fait. Donc on verra. De toute façon, on a mis, comme on dit, on met plusieurs cordes à notre arc. Voilà. On essaie de mettre tous les chances de notre côté.
pour eux, quoi, en fait, pour que ça aille vite. Je vais faire les petits paquets de nourriture pour Marley. Il manquait aussi 2-3 documents que j'ai envoyés par mail à la dame. Comme ça, c'est fait aussi. Et Greg est passé, a voulu passer à Brico Dépôt pour les deux petits trucs qui manquent pour le compteur. Et il n'y en avait pas non plus. Et en même temps, du coup, j'étais faire un petit tour dans les cuisines. Voilà. Mais non. Non, non. Ça ne sera pas pour cette année, je pense. Cette année, on va faire le haut. Hein, on va se consacrer sur le haut. Et puis, peut-être l'année prochaine. Qui sait, hein. Après, voilà. C'est pas comme si j'en avais pas. J'arrive à me débrouiller avec. Hein. Mais c'est sûr que j'aimerais bien. Hop, allez. Je vais faire les petits paquets de Marley. Mettre au congèle. Ah ouais, t'as vu ce que j'ai fait au fait? J'ai fait une bêtise. T'as pas fait attention? En fait, je me suis trompée de paquet ce midi. Au lieu de mettre le paquet qu'on avait acheté pour lui, j'ai mis la poêlée méridionale. Ah, super. Donc du coup, bah, il y a eu droit à une bonne poêlée. Et nous, c'est pour ça qu'on a mangé de la ratatouille ce midi. Bah oui, mais c'est vrai que t'as mangé un sandwich, toi. Bon allez, je vais faire ces petits sachets. J'ai remis à l'électricité. Moi, je suis en train de, du coup, faire cuire mes flageolets pour ce soir avec les tranches de gigot. Puis il va falloir que je me trouve une occupation. Parce que du coup, c'est électricité, pas d'électricité. Électricité, pas d'électricité. Donc, je vais... Voilà, on va se trouver une occupation. Okay. On va tourner en rond encore une fois. Et on va aller chercher les petits outils pour son chéri. Et l'entendre pester quand ça fonctionne pas. Parce que ça... Hein? Hein chéri, t'aimes bien pester? Quand ça fonctionne pas? T'es cool. Ah, les petits paquets à Marley sont mis au congélateur. Non. En fait, j'ai hâte que ce soit fini parce que j'ai l'impression qu'il y a le bordel partout dans la maison. Pourtant, c'est juste une pièce. Toi aussi t'as hâte que ça se termine. En fait entre les manteaux, les... Enfin tout ce que je mets d'habitude dans le sas quoi, les chaussures, les trucs. Et voilà, je t'avais dit qu'il allait pas arrêter de pester. Ouais, bah tout est dans la maison quoi en fait. Ouh, ouh il s'énerve. Attention doucement chérie, on n'arrache pas tout hein. Parce que si ça arrache tout, tu vas devoir tout recommencer à zéro. Bon, je vais aller soutenir moralement. On est en train de faire à manger. Greg a laissé tomber le... Il reste quoi? 2, 3, 4. Combien bon? En fait, il me dit, mais comment ça se fait qu'on a tous ces fils? Logiquement, on devrait pas avoir tous ces fils. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est comme je vous ai dit, certaines maisons mettent des boîtes de dérivation. Nous, on n'a jamais mis de boîte de dérivation, on mettait des lignes directes. Donc chaque prise a une ligne directe. Donc chaque prise, ah bon, il faut le brancher sur le compteur. Mais bon, ça devient bon, il en reste plus que 4. On a allumé le barbecue pour faire les tranches de gigot. Je me suis dit, il fait beau, hein, ce soir. Ils annoncent une amélioration, logiquement, à partir de la semaine prochaine. Logiquement. Il va falloir passer le truc dans la cour, là, il y a plein de petits morceaux sales. J'ai pas le temps, madame. T'as pas le temps. J'ai fait la pensée. Fatiguée. Moi aussi. Puis j'ai hâte que... Dans une semaine... Voilà, les trucs pour Kim, logiquement, c'est fini. On a fini, on n'a plus qu'à attendre que ça vienne. J'ai fait tout ce que je pouvais faire, en fait, pour l'aider et les aider. Il y a encore 2-3 petits papiers à faire, mais ça devrait, voilà, se calmer. Donc, une bonne chose de faite. Et puis, après, on va pouvoir se passer en mode vacances. Greg est en vacances, ouais, non, 14 jours maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Tu miaules, toi? Elle adore le spa. Hein, t'adores le spa. Elle est mes nerfs. Où dit mes nerfs? Oh, ouais. Oh, du gratouille. Oh là 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 là. Oh, du gratouille. En fait, elle aime bien le spa parce que ça chauffe et que l'eau est chaude. Et du coup, ça réchauffe. C'est un peu comme... Vous voyez les chats qui sont sur les radiateurs ou les trucs comme ça. Elle, à chaque fois qu'on met le spa, elle s'installe dessus. Ça fait même longtemps qu'on n'a pas été dans le spa avec Greg. Puis même l'extérieur, j'ai l'impression de pas en profiter quoi en fait cette année avec le temps pourri qu'on a.
Hein? Ça va venir. Ne désespérons pas. Hein? Tout à l'heure au coiffeur, soit les petits ragots au coiffeur. Et en fait, ils parlaient de vacances et tout. Il y en avait une qui disait qu'il partait au mois de septembre et qu'elle espérait pouvoir partir. C'est vrai qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, hein? Vive le quatrième. Greg se moque, hein? Hein? Ouais, ça sent pas bon, hein? Alors à chaque fois, j'ai l'impression qu'avec ce virus, on croit que ça y est, c'est bon, c'est fini, on respire, et puis en fin de compte, clac, il arrive à nous refoutre une petite baffe en disant hey, « Hé là, coucou, je suis encore là !» Hein? Mais bon, ça va arriver. Allez, on va manger. Je pense que c'est cuit là. Elles sont fines en plus, ces tranches. Ouais, on va pouvoir manger ça, pommes de terre sautées et flageolets. Après la douche, après un démaquillage, je viens juste de finir. Je suis de la team qui se démaquille après la douche. Alors quand je sors de la douche, j'ai deux gros cocos de mascara. Les enfants sont partis promener Marley. On a passé notre tour, Greg est crevé. Il n'y avait qu'une envie, c'est d'aller au lit. Donc du coup, les enfants se sont proposés. Il fait doux ce soir, encore une fois. Le soir, voilà, le soleil sort le soir. Hein? Alors j'ai regardé la météo, logiquement, pour la semaine prochaine, ça devrait se remettre. On a hâte, hein? Profiter de l'été. Je me suis brûlée avec la cube du ninja. J'ai trop mal à mon doigt. Enfin, je sais pas si ça se voit là, mais... Ouais, j'ai un doigt à refaire en vernis. Il s'est... Alors moi, dès qu'il s'écaille, c'est le truc que... Voilà. Donc du coup, ben, j'arrête pas. Dès qu'il s'enlève un petit peu, clac. Alors les premières pauses, à chaque fois, chez moi, ils tiennent pas bien. Après, ça va mieux tenir. Bon allez, moi aussi je suis crevée. On va aller se coucher, profiter un petit peu de sa soirée dans le lit. Moi je vais aller un petit peu sur Insta, sur Pinterest, voilà, les yeux clairs un tout petit peu. Et je pense que Greg va vite ronfler. Allez, je vous fais des bisous. Je vous dis à demain pour une journée avec nous qui, je l'espère, sera belle. Voilà. Qu'on aurait une belle journée avec du soleil, ça serait cool. On va l'espérer très fort. Demain, il faut que j'aille faire des courses, 2-3 courses. Il faut que j'aille chercher les légumes et les fruits. J'ai pas encore été. En fait, pour l'instant, j'avais tout ce qu'il me fallait, mais il va me falloir pour demain soir pour faire la salade campagnarde. Donc, j'irai demain. Allez, moi sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bisous, à demain. I lose my breath whenever I see you.